Donc, il y a du monde. Oh! Coucou, ça va? Ah, ça va bien, merci, et toi? Bah écoute, ça va, je suis de retour de la chasse, j'ai plusieurs jobs de prévus par la police et par le roi. Ah bon? Ah ouais, je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas. J'en ai même un pour toi, mais je sais que tu vas pas accepter. Oula, tu me fais peur, mon petit JM, tu me fais peur. tu peux, tu peux. Ensuite, bah tu vois, tout ce qui est là, ici, c'est Oui, toute dis la chasse que donc. j'ai fait aujourd'hui. Impressionnant. Les deux là? Les quatre. Oh! Eh, ch chapeau, JM. Oh, la Alors, belle bête! l'Iguanodon, normalement. Ouais, c'est ça. L'Iguanodon, en fait, il est censé être pour le roi, parce qu'ils en ont demandé un. D'accord. Le Fiumia et le raptor qu'elle a, par contre, on va le changer, parce que c'est une femelle, ou un mâle. Non, c'est un mâle niveau 121 de base, donc on va peut-être le garder quand même, Lequel? Celui que je regarde là? Non, le raptor Ah qu'elle oui. a. Ah, mais excuse-moi. Excuse-moi. Le raptor qu'elle a. On va peut-être le garder quand même au final. Oh, dis donc, Donc oui, en oh la donner un belle qui est un petit peu bête! moins haut niveau. Ouais. Et ensuite, le Carnot, le roi en a demandé un niveau 100 pour 15 000 pièces d'or. Le truc en fait, c'est que bah j'ai pas réussi à avoir un 100. Et vu qu'au départ il avait demandé un 50 et qu'elle c'est une femelle, je pense qu'on va la garder. Bah alors raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé, JM, parce que moi ouais, j'ai fait un petit peu un gros dodo. Tu me connais, hein, moi quand je tombe Alors ce qui s'est passé. dans le dodo, Ah oui, c'est non très mais. long. Hein. Ah t'es dans les vapes, mais c'est pas possible, hein, c'est pire que Un moi. panda, JM. Oh, c'est exactement ça. Alors, du coup, et je vais pas te dire qui pour pas que t'aies envie de les tuer, mais il y a des collègues qui ont dit qu'ils aimeraient avoir une fille de joie pour leur service. Ils Alors. seraient prêts à payer. Alors, je leur ai dit que je demanderais au cas où, mais que je connais déjà la réponse. Alors JM, regarde-moi bien. Parce que tu vois la queue du Carnot là. Tu vas la prendre dans le cul. Une fille de joie. C'est bien ce J'ai que une je tête leur de ai fille dit. de joie. J'ai une tête de fille de joie. Justement, c'est ce que je leur ai dit. Attends, ils ont pensé à moi? Ils m'ont dit au cas où si vous avez une connaissance. Mais ils ont pas honte? Ils m'ont pris pour un esclave sexuel? Je suis éleveuse, moi, hein! Ils ont dit qu'ils te payeront bien. Mais je fais pas le tapin, JM! Va faire le tapin toi-même! Bah je veux bien pour ça que je vais en Médino. Moi, j'honore ma famille, d'accord, dans l'élevage. Moi, je fais pas le tapin, c'est mort, JM. Tiens, je vais me les faire, là. Ils sont où, les poulets? Ils t'ont dit ça quand, JM? On se calme, on se calme, JM, on se réponds-moi! calme mal. C'était avant que tu te réveilles, avant que je parte à la chasse. Bah, dis donc. Quelle gentillesse! Bon, bah non, tu leur diras non. Non, hors de question. Ou je leur dirais non, et même vous pouvez vous mettre un doigt. Voilà ce que je leur dirais. Ou la queue du Carnot. Ou la queue du Carnot, Parce que effectivement. ça fait mal. Hein. Je Donc vais ouais, faire deux, justement, trois trucs montre-moi plutôt. un petit peu, bah justement, depuis mon sommeil, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dis donc, je vois que on a plein de nouveaux dinosaures. Moi, quand je suis partie, dodo, il y Oui. en avait, on avait un iguanodon et deux raptors, je crois. Et le stégo, je crois bien. Le Et puis, stégo, c'est c'est vrai. tout. Donc du coup, on a capturé un Carnot. Il est très mignon. On l'a capturé avec Anto. Oh, JM, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que, hein, parce que moi, tu sais que moi, je suis dans l'élevage. Hein. Moi, j'ai jamais chassé, tu sais, bah, c'est plus ton territoire à toi et Tony. Est-ce qu'un jour, je pourrais vous accompagner pour regarder un petit peu comment ça se passe? Bah, tu vois, justement, c'est ce que j'allais te dire. C'est justement pour ça que je t'ai fait ça. Hop. Déjà, t'as deux bolas. Comme Oh, ça va c'est pouvoir te gentil! permettre d'arrêter la plupart des dinos, ne serait-ce que un loup, un saber-tooth, un raptor ou quoi que ce soit, ça permet déjà de l'arrêter, c'est déjà pas mal. Puis ensuite, oui, moi je veux bien que tu nous accompagnes, hein, c'est justement un plaisir que tu nous accompagnes. J'aimerais bien apprendre parce que c'est vrai que vous êtes habitué, c'est votre métier, mais c'est vrai que moi je suis dans l'élevage, donc moi je fais de la vente de bêtes principalement. Moi j'ai jamais vu comment on faisait pour aller chasser les bestioles et tout, j'ai jamais fait ça moi. Ok, bah du coup, je vais pas t'apprendre la technique, je vais pas t'apprendre mes techniques de solo dans ces cas-là, parce que bah ce serait un petit peu bête.
On va dire, parce que en gros, ma technique solo actuellement, c'est je me mets sur mon iguanodon parce que. D'accord. Ça, là, ça c'est mon petit bébé, c'est moi qui le monte. Ouais, il est vraiment beau, hein. Oh, dis donc, il est beau. Tu lui as donné un petit nom? Ouais. Non, j'ai pas donné de petit nom, je tiens, parce que vu qu'on l'a chassé avec Anto, tu vois, j'ai pas. Je me permets pas de lui donner un nom, tu vois, pour marquer ma. Pour faire ma marque. D'accord, dessus, je comprends, j'y aime. Mais voilà, c'est mon petit bébé quand même. Mais tu vois, le truc, c'est quand tu te mets dessus, vas-y, monte dessus. Ce que tu peux faire, tu peux appuyer par exemple enfin tu peux prendre ton bola, tu vois. Oui. Alors attends, là je dois le prendre en main. Le prends bola. Ton bola en main. D'accord. Oui. Et donc du coup en fait tu vois, là tu peux bouger ton corps à 90 degrés ou 180 non 90 degrés par rapport à ce que tu es habituellement. Et pour diriger ton dino, tu dois faire avant, droite, gauche, arrière. Tu sais, tu dois lui dire. C'est plus toi qui. Il suit plus ta tête en fait. Mais du coup, toi, tu es libre de mouvement. Et donc, du coup, par exemple, une technique que je fais qui est très simple, c'est je cours après les bêtes avec mon arc et mes flèches tranquillisantes pendant que je dirige en même temps le dino. Mais du coup, en fait, il faut que je pense à plein de choses en même temps, c'est assez compliqué. Mais dis donc, ça va être tout un apprentissage, tout un savoir-faire, ça. Ah, bah oui. Après, par contre, il y a des techniques très simples. Tu fais un petit bâtiment qui empêche le dinosaure de venir sur toi. Du coup, toi, après, tu mets des tranquillisants de haut. Il y a plein de techniques. C'est ce que mon papa faisait. C'est ce que mon père faisait. Mm. Ah, c'est une technique assez simple, assez connue, mais qui marche très très bien. Il y a pas. Ah, c'est vraiment. Dis donc, mais chapeau. Hein, ces nouveaux dinosaures sont magnifiques. Chapeau. Et on a déjà peut-être des commandes, parce que moi, comme je t'ai dit, bon bah j'ai fait mon long somme, hein, et puis maintenant là je suis à fond les ballons, hein, donc moi je pense que je vais booster dans l'élevage, bah je vais t'aider bien évidemment, on va se mettre un petit peu dans le bain, j'ai vraiment envie de vendre des dinos, faire des reproductions. Du coup, pour l'instant, je sais qu'on a une commande de Carnot. Par contre, du coup, en fait, faut d'abord qu'on aille les monter un petit peu. Ah bah vois, oui, parce qu'actuellement, ils sont pas assez résistants. Donc bah bien sûr. Il faut les monter pour que le petit soit là. Ensuite, la commande de Raptor. Éventuellement, on peut garder tous les Raptors qu'on a là et faire un petit. Sinon, ensuite, ce qui a été prévu. Oh, c'est quoi ça? Ça, justement, Anto, en fait, s'est dit qu'il allait changer l'infirmerie d'endroit. Du coup, ce sera la nouvelle infirmerie, ça. Hop, pas bête. Voilà, donc l'infirmerie sera ici. Et par prévision, par contre, je ne compte pas casser le rocher, justement. Ça va dans la nature de la chose. Ici, ce sera ma forge. Oh, bonne idée. Regarde, alors avec double entrée, toi ici, toc, double entrée. Ah oui. Deux entrées avec deux portes, tu vois ce que je veux dire, c'est. Oui, je comprends, oui. De deux côtés. Voilà, de chaque côté ici, il y aura mes coffres. Ah, bonne idée, ouais. Ensuite, là, il y aura mon établi avec ma forge et il y aura un escalier qui va monter. Et au deuxième étage, t'auras d'autres stockages, t'auras une autre forge, t'auras surtout des stockages au niveau des armes, tu vois, au niveau armement. Et t'auras aussi une petite, comment dire ça, un petit avancement avec des petites barrières. Voilà. Ah bah c'est une super bonne idée, dis donc. Ah, franchement, vous avez pas chômé, hein. Ah, non. Et dire que pendant ce temps-là, je dormais, excusez-moi. Hein. Le plus important, c'est qu'on t'ait pas réveillé, surtout. Bah, tu sais, j'ai le sommeil lourd, hein, tu me connais. Mais du coup, moi, je voulais te demander, par rapport à mon élevage, comment ça va se passer? Ça sera ici? Ton élevage, en fait, nous, ce qu'on a pensé, ce serait que par ici, au niveau de l'infirmerie et de la forge, ce serait des habitations. Près de la porte... Ce serait de la vente, sauf qu'à côté de la vente, en fait, il faudrait faire tout un élevage. Et tout l'élevage, je pense que ça s'étendra de la porte... De la porte nord jusqu'au milieu de la porte ouest. Eh ben justement, JM, j'avais pensé à ça. J'avais pensé à faire, tu sais, un petit système d'enclos avec, en fonction des races, hein, admettons... Bon, j'ai une bêtise, hein, mais je mets les carnots ici, tu vois, les ankylos là, machin, je fais mon petit truc... Et puis mettre des petits panneaux, tu sais, au niveau du Carnot et d'autres dinosaures à chaque fois en indiquant les prix ou ce genre de choses. Ok. J'ai une petite question. Est-ce que tu as un arc et des flèches? Oui, j'ai un arc en bois avec 14 flèches. C'est pas beaucoup ça. Oui. Si tu veux, il y a des flèches dans les armoires. T'as des flèches narcotiques ou pas du tout? Pas du tout. Ok, ça pose un problème, j'en ai que 30.
Et sinon, dernière question, ça te dérange pas de te balader pieds nus? Bah qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème contre les gens pieds nus? Non mais il y a des feuilles de partout, on est un peu dans la forêt. Ah t'as raison, mais tu sais moi, quand on est arrivé le premier jour, après moi je t'ai dit, moi je suis partie me coucher, donc forcément j'ai pas fait d'avancée, j'ai rien fait quoi. Ouais. Bah, écoute, si tu veux, j'ai des chaussures pour toi dans une armoire. Ah bah je veux bien, bah montre-moi s'il te plaît, je veux bien. Me demande pas pourquoi, quand j'ai tué un raptor, j'ai vu des chaussures sur lui, j'ai fait... Bon bah je vais les prendre. Ah bah c'est tout de suite plus confortable, effectivement. Explique-moi tout, JM, moi tu sais que je sais, moi c'est pas, voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, la chasse, tu le sais très bien. Oui. Donc moi j'ai jamais fait de flèches narcotiques, comment on fait ça? Tu fais des flèches, tu sais comment on fait des flèches? Oui. D'accord, donc tu fais des flèches, tu fais des narcotiques. Narcotiques, tu fais ça avec de la viande pourrie et des narcoberries. D'accord. Et une fois que t'as de la narcotique, tu trempes ta flèche dedans. Comme ça, quand tu toucheras quelque chose, ça empoisonnera et donc du coup ça endormira. Alors, tu vois, viens ici, tu vois le petit le mortier qu'il y a sur le sol? Oui, oui. Alors vois-tu, regarde, hop, tu mets les ingrédients à côté. Ce que tu fais, c'est que tu prends des berries. Les berries, tu les écrases. D'accord. Bien comme il faut, tu vois, pour que ça fasse comme de la poudre. Et une fois que c'est bien écrasé, t'ajoutes la viande. T'ajoutes la viande pourrie. Et du coup, hop, tu vois, quand tu fais bien comme il faut, quand tu mélanges bien, hop, tu mets ça dans un récipient. Ah oui, d'accord. Et ça te fait ta narcotique. Ah, dis donc, ah ben, faut quand même avoir un petit coup de poignet, hein. Oh, ça va, ça prend vite. Bah, du coup, je te laisse faire. Bon, bah, je vais essayer. Alors, oh, dis donc, faut appuyer fort, là. Oh, la vache. Ouais. Oh, là, bah, j'appuie. Ah, bah... Bon, j'ai réussi. C'est un très très bon premier essai. Hein, bon bah c'est pas aussi. Ah bah oui mais c'est pas aussi bien fait que toi, tu vois. C'est moins mis en valeur quand même. C'est normal. J'ai l'habitude. C'est normal. Mais quand même pour une première fois, tu t'es vraiment très très bien débrouillé. Vraiment. Ah bah c'est gentil. Merci beaucoup, JM. Bah du coup, si tu veux t'entraîner à en faire pour être meilleur, tu peux. N'hésite pas. Et tu veux que j'en fasse combien? C'est comme tu veux. Le plus possible. Là, il reste 51 morceaux de viande, t'en fais 51. D'accord, bon bah je fais ça. Oh, dis-moi, JM, au fait, vu que t'es en train de m'apprendre, oui. Tu sais, bah, le métier de chasseur, hein, finalement, bah, ce qu'on est en train de faire, là, les fléchettes tranquillisantes, comme t'as dit, là, et ben, grâce à ça, en fait, c'est quoi? C'est que quand on va toucher le dinosaure, il va s'évanouir, qu'est-ce qui va se passer, en fait? En fait, ce qui va se passer, c'est... Tu vas pas lui mettre une flèche à faire... C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est tu vas lui mettre une flèche, deux flèches, trois flèches, quatre flèches, une vingtaine de flèches maximum, selon évidemment de ce que tu cherches. Mais il va pas mourir ? Justement, c'est là le danger. C'est si cette créature est beaucoup trop fragile, si tu vises les mauvais endroits, il y a des possibilités. Mais évidemment, si tu connais bien, si tu sais ce que tu fais, si tu vises pas les endroits trop sensibles, par exemple, tu peux viser la tête. Tu as vu que le crâne va l'arrêter la flèche. Tu peux. Il y aura pas de problème pour la tête. Pour le cerveau plutôt. Et en plus de ça, quand tu vises la tête, tu endors beaucoup plus rapidement. Mais par contre, le risque, c'est si tu lui vises un œil ou quoi que ce soit, tu peux lui faire beaucoup de dégâts. Ah, je comprends, mais dis donc, c'est risqué quand même. Hein. C'est vrai que c'est risqué, du coup, n'hésite pas non plus à viser le corps, comme ça, il y a beaucoup moins de risques. Vu que la flèche s'enfonce pas énormément, il va juste y avoir le poison qui va se répandre et donc du coup, qui va petit à petit, tu vois, la fatiguer, qui va lui pomper toute son énergie, donc du coup, qui va l'endormir. Juste avant que je parte pour ma chasse, justement, j'ai croisé un policier qui m'a confié qu'il, justement, il voulait que quelqu'un répare les armures, et qu'il voulait qu'il y ait de nouvelles armes, des munitions, tout ce genre de choses, en fait. Oh, mais c'est excellent pour nous, pour le marché et tout ça, c'est excellent. Ah bah moi de même, le seul petit blême, c'est qu'il faut aller chercher du métal. Et le métal, où est-ce qu'on le trouve? Je te le donne en mille, on le trouve dans la montagne. Et dans la montagne, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis fait attaquer par un blaireau. Oh, mais non. Il m'a fait très mal. Si, si. Il m'a pas mis dans le coma ni à l'hôpital, mais il m'a fait très très mal. Hein. Quand on a été voir le capitaine... Mais Five, mon pote. Avec cette petite main. Va où là? Bah on va aller dans la plaine qui est juste à côté, là où je chasse toujours avec Anto. Mais on va chasser pour tuer ou pour capturer des animaux? Tout dépend, parce qu'on a besoin de peau, mais en même temps on a besoin aussi de nouveaux animaux. Tu feras attention, il y a une falaise ici. Hein. D'accord.
saloperie de caillou. Hop. Dans cette plaine, tu vois, ce qui est très intéressant, c'est que t'as à peu près de tout. Faire attention, il y a aussi des alphas de temps en temps. Ah oui, ils sont dangereux ceux-là. Ouais. Après, tu vois, la montagne de droite, c'est là-bas où je vais chercher mon métal en général. D'accord. C'est là-dedans aussi que je vois des loups. Donc faut faire très attention. Ah, je comprends. Hop, on va accélérer un petit peu. Je te suis, hein. Ça marche. Préfère juste te prévenir quand, quand j'accélère, comme ça on peut toujours oui. se parler, tu vois. C'est une bonne idée. En plus de ça, nos bestioles ont la même vitesse. Du coup, il n'y a pas de problème oh, normalement. Oh, c'est pratique. Hop, allez. Tu feras attention, la dernière fois que je l'ai regardé, lui, il y avait déjà quelqu'un avec lui. Il y avait d'autres stégos à côté, donc il y a peut-être moyen qu'on se fasse encercler si ça, ça part en couille. Mais bon, ça on part au cas où. Non, go ça, les stégos sont un peu plus loin. Allez, go. Oh, dis donc, c'est impressionnant, JM1. C'est impressionnant, JM1. Oh, j'ai jamais fait ouais. ça, moi. Ok, bah prochain qu'on tue, c'est toi qui le dépece. Oh là là, mais moi je sais pas faire. Tu me montreras. Bien sûr, bonjour. Bonjour, monsieur. Oh, vous m'avez fait peur. Justement, on vous cherchait depuis tout à oh, l'heure. Oh bah oui, justement, on vous cherche. Vous m'avez trouvé dans la nature. Oui. C'est bizarre quand même, on se trouve jamais à la capitale, mais toujours en dehors, oh, nous. C'est vrai. Ouais, je sais pas si en bas, lad. Ah bah, d'accord, du coup, on vous demandait, vous êtes au courant, c'est combien le prix pour la licence de Sabertooth et de loup laissez-moi un instant, je vais vérifier dans les papiers. C'est gentil, merci. Je suis désolé, c'est vraiment le foutoir dans toutes ces notes, je me retrouve pas du tout. Ah, oh, pas de soucis, vous inquiétez pas. Je pense que je vais en parler au commandant pour que ce soit un peu plus clair, parce que du coup, c'est pas facile d'accord. pour tout le monde. D'accord, pas de problème. D'accord. Bon, faites attention, j'ai vu quelques dinosaures très méchants dans le coin. Très méchant dans le genre quoi vous voyez, est-ce que vous voyez le grand dodo poilu du commandant? Oh oui, 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 ce grand. Et bien, il y en a un qui traîne dans les environs. Ouh là là. On va faire demi-tour. Merci. Ah bah c'est vraiment gentil. Oui. Il est assez ça loin par d'ici, contre, tu mais vois. Méfiez-vous, c'est au nord. Oui. D'accord, bah on fera attention du coup quand on ira au nord. Mais tu vois, Kiki, ça c'est le genre de créature qu'on ne va pas chasser. Ça, ça, ça se chasse pas ça. Ah bah oui, on les fuit plutôt, hein. Ah oui. Le problème, c'est que le commandant vous le saisira immédiatement. Il n'y aura aucun permis pour ce genre de dinosaure. Ah non, mais quand on dit chasser, c'est tuer. C'est pas... Oui, c'est dans pas le sens tuer. Oui. Mais bon, oui, tard, oui, je... Peut-être si vous avez un bonnet dinosaure capable de le tuer, mais bon. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas. Ah oui, voilà. C'est donc la dame que vous me parliez tout à l'heure. C'est non. C'est non, ok. C'est non. Dommage. Oui. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne et agréable journée. À vous aussi. Merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Mon feu s'en est éteint. Mon feu s'en est éteint. Tu veux de l'aide pour faire des feux? Je veux bien, s'il te plaît. JM. Ça marche. JM. Oui. Viens voir. Oui. Tu sais que je me suis retenu, hein, parce que je vais lui dire si vous cherchez une pute, c'est pas ici, d'accord? Tu veux quelque chose encore plus qui veut, tu veux quelque chose qui va t'énerver encore plus? Qu'est-ce qu'il y a? C'était lui qui m'avait demandé. Bah c'est ce que j'ai cru comprendre parce qu'il a dit. J'ai cru entendre. Ouais, faut... Il est sans gêne, hein. Non mais ça va, oui. Incroyable. Oui, après. Je vais pas dire que je le comprends parce que c'est faux. Non mais même pas pour 20 000 pièces d'or. Je dis pas encore il serait beau et tout, que je tombe amoureuse de lui, d'accord? Mais alors, carrément, non mais que je tombe amoureuse, JM. Pas des trucs comme ça. C'est pas du tout mon délire, ça. Oui, oui mais il est pas proposé que pour lui, il avait demandé pour toute la caserne. En plus, bah tiens, moi je vais couper du bois, merde. D'accord. Une fille de joie, mais je t'en foutrais, moi ça m'a foutu en rêve. J'étais en train de réfléchir, excuse-moi si tu m'as parlé ou pas, je sais pas. J'étais perdue dans mes pensées, mais je suis... Mais je te jure, je l'ai mal pris, JM. Et tu sais ce qui... Mais non, mais ça me fait un peu mal au cœur quand même que tu penses que moi, je puisse accepter une demande pareille. Bah justement, la chose qui est drôle là-dedans, c'est que je lui ai dit, elle ne va pas accepter. Mais je lui demanderai quand même. Parce mais... que... On va dire que je sais que tu l'aurais pas accepté, mais je préfère quand même te le demander. Mais tu crois vraiment que je vais me mettre à dada sur ces grands bonhommes là?
toute la caserne entière en plus. Rends compte, la pute du village. Même un mec. Et même un mec, je sais que tu le ferais pas. Bah bien sûr. Eh, faut que je te parle d'un truc. Tu sais, quand je regardais mon catalogue avant d'aller dormir, j'ai vu une petite paire de ciseaux en vente parce que j'en ai marre de mes cheveux, je vais pas te mentir. Une petite paire de ciseaux. Et puis ça me demandait... En fait, elle était faite à base d'obsidienne. Et j'aimerais bien aller récupérer une ou deux obsidiennes, tu vois. Me faire une petite paire parce que, je vais pas te mentir, c'est vrai que c'est mon petit péché mignon, j'aimerais bien avoir des dreadlocks, JM. Ok, donc on va aller en chercher l'obsidienne. Ah, l'obsidienne, c'est sur la montagne. Je sais pas si c'est sur la montagne où on est là ou si c'est sur la montagne d'en haut. On va aller voir la montagne où on est là, déjà d'accord, pour commencer. D'accord. Puis si c'est pas là, bon, on ira regarder celle qui est en haut. Bon, allez. D'accord. Avant ça, par contre, on va tuer cette magnifique créature. D'accord. Repose en paix. Mais c'est pour t'apprendre justement à comment dépecer. Ok. Elle se défend bien, la bête. Tu feras attention, il y a des fourmis avec. Bon, alors explique-moi comment je fais là. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir avec ta hache. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper à l'horizontale. D'accord. Pour pouvoir justement essayer de récupérer le plus de peau possible. Bon, alors j'essaye. Hein. Attends. Vas-y. Oh là 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 là, il y a plein de sang partout, JM. Bah, je crois que j'ai réussi. Ça, c'est normal. Hein. Du coup. Il faut que je m'occupe aussi de la fourmi. Bah, tu sais à peu près comment on fait. Maintenant, je dois aussi m'occuper de la fourmi. Justement, la fourmi, ce que tu fais, c'est. Tu prends ta hache aussi et tu coupes en fait au niveau de la queue juste l'arrière, le devant, voilà, le devant en fait on en a pas besoin. D'accord, je me mets bien en symétrie. N'hésite pas à t'accroupir, hein, c'est un petit peu du mal. N'hésite pas aussi à te rapprocher. Elle est morte, de toute façon on pourra train de faire. Ah t'as raison, quand on s'accroupit c'est mieux quand même. Après il y a celle-là aussi, tu fais la même chose. Tu feras toujours la même chose, hein, peu importe les fourmis. Hein, c'est... Voilà. Oh, dis donc, je viens une vraie petite aventurière. Bah oui, justement. Trop content. C'est ça qui est bien. Oula, j'ai peur de glisser la JM. Oh, c'est ça la pierre noirâtre dont tu me parlais, elle est au sommet, comme par hasard. Je crois bien, ouais. Oh mince. Attends, est-ce que ça peut passer par là? On peut pas faire le tour, JM? Ça passe pas. Bah attends, c'est ce que j'attends de regarder en fait, si on peut essayer de monter ou pas. T'y arrives? Ouais, c'est bon. On a eu 8 d'obsidienne. Oh, excellent. J'aurais mes dreadlocks. Yep. Alors ici. Ouh là 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 là, ça sent. Bah oui, ce que j'allais te dire, JM, ça sent un peu le casse-gueule, hein. A few moments later. Oh, c'est magnifique. Ça me semble quand même un peu loin. Ouh là 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 là. Bah à moins qu'on va sur le rocher d'en face. Ouais, ce que je veux dire, attends, il y a un rocher, du coup on va voir. Il me semble y avoir aucun danger. Tu veux qu'on y aille? On peut essayer. Ouais, on peut essayer. Bon, je t'avoue que l'orage, j'aime bien ça, mais là, il claque fort. Hein. Mais c'est vrai que d'un côté, tu sais, je vais te dire, avec les fortes chaleurs qu'il y a, c'est pas étonnant. Hein. Ça, au bout d'un moment, c'est obligé que ça pète. Ah, bah hein. Oui. Mais ça fait pas. Bah tu oui. vois, je vais te dire, ça va pas nous faire de mal à nous et aux dinos. Parce que c'est vrai que nos dinos, ils crevaient un petit peu de soif quand même. Hein. Donc ça va, bon, ça va nous faire de la pression. Il vient de nager donc. Non, pas les nôtres, ceux qui sont à la maison. Ah oui, ouais, ça c'est vrai ça. Avec les chaleurs qu'il y a, c'est pas évident hein. Gauche droite. Oh la vache. Oh là là, j'en ai vu un beau éclair là. Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bah dis donc, il est loin. Ouais. 15, il est à 15 km. Ah oui. Ça va. Ça va. Mais moi je vais pas te mentir, je déteste, moi j'ai la phobie, alors j'adore les orages. J'adore ça, oh là là. J'adore ça. Mais alors moi à partir du moment... Attends, on est où là? Ah bon, c'est bon alors? Ouais.
Moi, j'adore ça, mais alors à partir du moment où je suis à l'extérieur, je suis tétanisé, JM, t'imagines pas à quel point. Ah, je te comprends. Ah, ça me fait peur, JM. Personnellement, tu vois, j'adore ça, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, j'aime bien. Moi, à l'intérieur, j'aime bien, tu sais, je me sens en sécurité, mais alors à l'extérieur, c'est vrai que ça me fait peur. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas des chats là-haut, là ? Oh, si, ça ! Oh, si, ça a l'air des Sabertooth, si, si. Oh ! Ok, donc les Sabertooth, la technique, c'est si on a deux. Ouais. Si on a deux, je balance mon bol là sur un, tu balances ton bol là sur l'autre. J'ai pas intérêt à me rater, JM. C'est ça. T'as tout compris. Il y en a peut-être pas que deux. J'ai cru en voir un troisième au loin. Ils arrivent. Je les vois au loin. J'ai peur. Vise celui que tu veux. Tu vises lequel? Droite. Ok, je prends celui de gauche. Oula. Putain, c'est chaud. Oh fuck. Putain. Oh merde. Je m'en occupe, t'inquiète. Occupe-toi du tien. Attends, JM, c'est la merde, hein! Il est en sang, l'autre! L'autre, il dort! Ok! J'ai plus de flèches! Ah oh là 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 là, mais attends, j'ai plus de vie! Mets les flèches dans ton machin! Mets les flèches dans ton machin, vite! Attends! Prends la distance, mets les flèches dans ton machin! Les flèches sont dedans! Les flèches sont dedans! Laisse-moi les prendre! Les flèches sont dedans! Mon chat! Comment il hurle. T'as réussi? J'ai plus d'arc. Merde! Bah tiens! Bah tiens, non? Tu m'excuses? Tu m'excuses? Je vais faire ça, j'ai soif. Là, tu l'as trouvé comme ça là, oui, 135? Non, justement, c'est le connard que j'étais en train de flèche depuis tout à l'heure. Attention, il y en a deux à droite! Ouais, je sais, pour ça que je passe par là. C'est le connard que je suis en train de taper depuis tout à l'heure en fait. Ah, c'est l'autre enfoiré! Une fois que je suis parti boire en fait, ouais. Je suis remonté sur le machin et j'ai vu un chat faire ah quand il m'a vu. Mais du coup, attends, on a combien de pièces d'or? 4700, quelque chose comme ça. 4700? Mais du coup, ouais. Je pense qu'il faut qu'on s'achète une licence pour les Sabertooth là, hein, du coup. Ouais, et il est beau, hein. Oh là 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 là, il est beau. Oh, il est musclé. Oula, c'était un peu beau, toi. Ouais, ce que je me suis dit, mais ça va. Parce que moi, c'est une femelle, toi, c'est quoi? Ah merde! Bon bah. Yeah! Ouh, la beauté! Ouh! T-Rex! Au fond à gauche! Je le vois, putain, on fait quoi? On part sur la droite de toute façon. Ok. Alors, du coup, on va laisser nos bestioles ici? D'accord. On les laisse là, puis on va aller voir le policier s'il y a quelqu'un. Ok. Alors, on est à quelle porte déjà? Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Je t'ai dit, quand je suis là, il n'y a jamais personne. Ouais. C'est vrai en plus, hein.